toute. Allez, J-1, dernière journée de préparatif, fin de préparatif. Je termine la voiture, il me reste encore un petit peu de travail. Bon, là elle est opérationnelle, elle est en capacité de rouler. Après, au niveau des essais, il n'y en aura pas. Malheureusement, le timing fait que, je sais, c'est risqué. Certains diront même que c'est un non-sens, mais le défi, c'était d'amener la voiture au départ du Tour de Corse. Avec les inconvénients que ça peut entraîner, là en l'occurrence c'est un timing trop serré. Je ne peux pas me contenter d'amener la voiture à Porto Vecchio et de ne pas prendre le départ, c'est juste pas possible. D'autant que rien que de par la participation, la communauté pour la réussite de ce projet, il faut que ça se termine par le rallye. On croise les doigts, on va faire en sorte d'arriver au bout. On va jouer l'endurance, comme je l'ai déjà dit. Donc aujourd'hui, une grosse journée aussi, parce qu'il faut qu'on prépare l'assistance. Il faut également que je préfère en rigoler. Il faut aussi que je répare le X3, qui est juste en panne depuis, ça doit faire 2 mois à peu près. Donc j'attends la dernière minute, c'est juste parce que je n'ai pas eu du tout le temps avant. Donc dans tous les cas, si je n'ai pas la possibilité, si j'arrive pas à réparer le X3, on a une solution de rechange, ça c'est pas un problème. Voilà, donc c'est parti pour une belle journée. Après plusieurs jours de pluie là qui m'ont obligé entre autres hier et avant-hier de travailler dans le garage, ce qui n'était pas le plus agréable parce qu'il est très chargé. On va avoir la possibilité de travailler dehors, ce qui va être fort agréable. Allez, c'est parti. Non, j'ai encore quelques branchements à faire. Alors là, le compteur d'origine, lui, est installé. Bon, je suis assez content parce que sinon, ça m'a obligé à mettre 2 sondes. Sachant que là tout est mécanique, donc on aura une température d'eau en permanence. Bon, là je l'ai à peine fait tourner, donc c'est un tout petit peu monté. Voilà, donc là je termine de connecter la radio, j'ai encore 2-3 périphériques et puis je passe à autre chose. Bon, on est la veille de la présentation de la voiture. C'est ça. On ne va malheureusement pas pouvoir prendre le départ. Alors, pourquoi très très vite? Parce qu'on a un double souci. On est allé faire des essais routiers. On a un problème de pression d'huile, malheureusement, qu'on ne pourra pas régler. Et on a un problème de chauffe. Donc, 2 gros soucis qui font que ce serait déraisonnable de prendre le départ demain. Par contre, on va quand même descendre la voiture parce que je sais qu'il y a des gens qui nous attendent. Donc demain matin, sur le coup de 11h, on sera pas loin des vérifs techniques avec la voiture. On va la descendre sur la remorque. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. On ne sera pas au départ. Ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, on aura le plaisir de vous rencontrer. Allez, on a chargé la voiture. Bon, à défaut de pouvoir rouler avec, on va aller la présenter, direction Porto Vecchio, donc on a 2 bonnes heures de route. C'est ça. Voilà. Comme on n'est pas galérien dans l'ensemble, bon, le X3, il est en panne. Voilà, donc on récupère la série 1 à défaut. Elle va faire le job. Voilà. Et puis ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Attends, j'habille comme un paysan. Allez, la voiture a été descendue de la remorque. Marche pas encore comme il faut, mais elle est belle. Ah, 10 mois de travail intense pour faire d'une épave une voiture de course qui plus est unique. Bon, si tu me rayes la peinture, Jean-Marc.
si tu me rayes la peinture, tu finances la totale. Hein. Ah, sacrée voiture, allez, on discute avec quelques abonnés. Une foule via Zagato, elle est magnifique. Hein. Bon, la berlinette, hein, on la présente plus. Elle vient d'Alsace. Oh, on va laisser la MG là pour ceux qui ont envie de la voir. Et puis, nous, bah, on va aller se restaurer parce qu'il est midi et demi, ça va faire du bien. On est en pleine discussion avec un amateur belge qui a un combi T1, ils ont en fait laissé un RATS. Il a un moteur, il nous a un peu expliqué, il a un moteur qui développe 132 chevaux, il prend 200 km/h avec cet engin là. Oh, une très très belle mécanique. Là c'est clair qu'on n'est pas sur un moteur d'origine. Oh. J'adore. Bon, ça à trouver dans le maquis, c'est juste impossible. Les rares qui étaient, parce qu'il y en a eu quand même, hein, ils ont déjà été tous récupérés. C'est fort dommage parce que je trouve ça, c'est un peu comme les staffettes, ça a un charme fou. Allez, comme l'an passé, je ne résiste pas au plaisir de filmer toutes ces belles autos. Voilà, donc là, un équipage de Belgique. On aime les Porsche en Corse, on les aime. Bon, après, elles ont un passé plutôt glorieux au niveau du Tour de Corse, donc logique qu'on les retrouve. Les BM, les M3, pareil. Là, on est clairement dans des voitures qui ont eu leur temps de gloire sur cette épreuve. Allez, une petite Visa. Ça fait toujours bizarre de voir ces véhicules-là, enfin en historique, non, parce qu'elles commencent à prendre de l'âge. Mais c'est vrai que il fut un temps, on les retrouvait beaucoup en moderne. Très belle R5 Alpine. Alors. Très jolie voiture. Je ne vais pas dire que c'est mon coup de cœur, mais j'ai un faible pour les Escort MK. Donc, elles font vraiment typique années 60. La MK2, bon, à côté, elle a un côté plus agressif indéniablement. Bon, et ben voilà. Quand je dis qu'on les accumule, on les accumule. Voilà, j'ai eu une première petite alerte, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai eu une première petite alerte il y a quelques kilomètres. Je me suis arrêté, j'ai regardé, il n'y avait rien de particulier. Et puis ben là, d'un seul coup, gros bruit derrière. Voilà, j'ai juste explosé un pneu avec la MG dessus. Non, c'est. Sincèrement, bon, je vais faire le bilan de notre forfait. Je pense que Murphy est toujours un peu dans le coin. En tout cas, c'est clair que là, bon,
ça aurait été vraiment vraiment problématique de casser la voiture pour un pneu qui a explosé. Et puis bon, il a vraiment explosé. Hein. Je suis toujours impressionné. C'est pas la première fois que j'explose un pneu sur la remorque, mais là, c'est clair que c'est impressionnant, impressionnant ce qui reste. Quoi. Bon, bah, je vais utiliser mon cric, puis je vais changer tout ça hein, pour pouvoir rentrer chez moi. Je suis plus très très loin, mais voilà. Allez, je remonte mon pneu. Alors, j'aime bien avoir les explications du pourquoi, du comment. Et comme je vous ai dit, j'ai eu une première alerte sur tout à l'heure, donc et je pense avoir compris pourquoi. Alors, bon, il faut avouer que cet outillage portatif est particulièrement utile. Alors, je peux descendre mon cric, c'est une tuerie ce cric. Voilà. Pendant que ça descend, je vais vous montrer le pneu, enfin ce qu'il en reste. Voilà, ça c'est ce qui reste du pneu, autant dire rien. Alors en fait, je pense ce qui s'est passé, la première alerte que j'ai eue, je pense c'est la bande de roulement du dessus qui a dû lâcher. Et donc j'ai roulé là-dessus et ça a fini par s'user et le pneu il a explosé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a sur le pneu d'origine, pour une raison qui m'est inconnue, alors peut-être que j'ai pris une pierre, j'en sais rien. Enfin, le fait est que on avait un trou hier, on s'est rendu compte, donc veille du rallye, au moment où on voulait charger la voiture, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou sur le flanc. Ça perdait, le pneu était complètement à plat. Donc pendant que je me chargeais de la voiture, Anthony a changé le pneu et il a pris le premier pneu qu'il a trouvé dans le garage. Et en fait, ces pneus-là, c'est des pneus que j'avais déjà changés. Donc bon, il y est strictement pour rien. Hein. C'est mon entière responsabilité de ne pas avoir contrôlé quel pneu il prenait. Parce qu'en fait, j'avais des pneus initialement prévus pour la MGBGT qui étaient en parfait état. Et bah, du coup, voilà. Voilà ce que ça donne de mettre des pneus vieux. Parce que je ne sais pas si on peut le voir sur le flanc, peut-être l'autre côté, que ce soit là. À mon avis, ceux-là, les pneus, ils ont déjà du vécu. Oui, bon, bah là, de flanc, il n'y en a plus. Allez, je vais mettre ça sur la voiture. Là, c'est réparé. Bon, la pression n'est pas exceptionnelle, mais ça va tenir pour les 40 km qui me restent. Allez, je range le matériel. Il faut avouer que des crevaisons, surtout là, avec une remorque, c'est toujours embêtant de devoir la lever, changer la roue, enfin bref. Donc, bon, c'est finalement avec le bon matériel, c'est assez simple à changer sans trop galérer. Ça fait pas 10 minutes que je suis arrêté là et je suis déjà en capacité de repartir. Mais bon, ça fait toujours de sacrées surprises. Et c'est pas la première fois, comme j'explique, c'est pas la première fois que je crève sur la remorque. Bon, ça m'était arrivé une fois sur l'autoroute avec l'exige sur la voiture. Bon. Je vais directement ranger tout ça. Voilà. Comme ça, je peux fermer les boîtes. Alors, d'une main, c'est jamais simple. J'ai le téléphone. Voilà. La batterie à cet endroit-là. Heureusement, il n'y a pas non plus une circulation dans l'autre monde. Voilà. Allez, je vais pouvoir repartir.
vais mettre la roue de secours directement ici. Ça m'évitera d'avoir à la refixer là. Et comme ça, je changerai le pneu demain. Bonjour à tous. Tiens. Allez, retour sur ce final un petit peu, bon, je vais pas dire décevant, mais voilà, c'est vrai que après 10 mois de travail, on n'avait pas dans l'idée, dans l'optique de déclarer forfait, mais il faut à un moment donné savoir être sage. Et je pense que le moment est venu pour que, même si je suis quelqu'un d'obstiné, je pense que le moment est venu de retrouver un petit peu de sagesse. Et la décision de ne pas prendre le départ était, de toute évidence, la meilleure des solutions. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu les soucis que nous avons rencontrés donc samedi en fin de journée quand on est allé essayer la voiture. Voilà. Donc, il y a deux problèmes. Il y a un premier problème qui est un problème de pression d'huile. Donc, la lubrification de ce moteur ne se fait pas comme il faut. Et on en a déjà assez souffert l'année dernière avec la Mini. Ça nous avait coûté un changement de moteur complet. Pour ne pas prendre le risque une nouvelle fois, cette fois-ci avec ce beau V8, ne pas prendre le risque de prendre le départ et de casser au bout de quelques kilomètres, ça aurait vraiment été plus que dommage, pour ne pas dire dommageable. Donc ça, c'était le premier problème. Et le second, elle chauffe. Donc là aussi, si on insiste trop, on prend le risque là aussi d'une casse moteur, hein, de voiler les culasses. Dans les deux cas, on allait se retrouver à être obligé d'abandonner récemment quelques kilomètres après le départ, peut-être même ne même pas être en capacité de prendre le départ de la première épreuve chronométrée, ce qui aurait été quand même une sacrée frustration, sans compter que c'est quand même un gros budget, le budget de cet engagement, et avec toutes les aides apportées par de nombreux d'entre vous, on pouvait pas gâcher ça. Donc la décision a été prise, elle sera engagée l'année prochaine. Comme je dis, je mets de côté le budget qui était prévu, je le mets de côté de manière à pouvoir engager la voiture pour l'édition 2025, ce qui va me laisser un an pour la fiabiliser, pour faire les modifications. Voilà. Alors là, je vais déjà vous montrer, vous expliquer ce qui a fait. Alors, c'est des choses qu'on aurait pu éviter, mais une fois encore, c'est le problème de ce projet, c'est que il a été tellement prenant, notamment ces dernières semaines, ces derniers jours, que c'est dans ces moments-là, on prend peut-être pas toujours les bonnes décisions, où on se dit bon, ça va tenir, on va faire avec. Et alors au passage, je pense qu'il est certainement plus simple derrière son écran, derrière sa télé, de donner des conseils qui m'ont dit j'aurais dû fiabiliser le moteur avant. J'ai envie de dire oui, ok, je monte le moteur, bon, même si comme je l'ai expliqué dans les vidéos, il y a des pièces qu'on n'a pas pu monter, par exemple les collecteurs, on pouvait pas les monter avec un moteur déjà remonté, il fallait qu'il soit déculassé pour ensuite mettre les collecteurs et finir le remontage. Et puis ensuite, je fais un moteur, je le fiabilise comment? Si je le mets pas dans une voiture, à moins de me créer un banc, bon, et de le faire tourner dessus, je ferai jamais. Ce qui fait la fiabilité d'une mécanique, c'est de rouler. Donc sans caisse, c'est juste compliqué. Bon, je ferme la parenthèse. Une fois encore, je peux comprendre, mais de la même manière, je pense que si j'avais été en galère sur la caisse, j'aurais certainement trouvé des gens qui m'auraient dit « Ouais, j'aurais dû commencer par la caisse ». Bon, on est voilà, c'est un projet de reconstruction, c'est un projet de modification. Je ne suis pas un professionnel, je le rappelle. Hein. Donc bon, on fait des choix, c'est peut-être pas toujours les bons. Là, en l'occurrence, les choix qui ont été faits sont des choix liés, entre autres, à de la méconnaissance. J'en ai longuement discuté avec des gens spécialisés dans les anglaises, hein, qui n'avaient pas la connaissance que j'ai désormais, et qui n'ont pas été non plus en capacité de me donner des conseils dès le début où je me suis lancé dans ce projet. Voilà, donc
les modifications qu'il a fallu apporter donc sur tout ce compartiment moteur pour faire rentrer ce sacré V8, ben, cherchez un peu sur internet, vous allez voir que des gens qui ont converti une caisse d'avant 74 pour y mettre le V8, on n'en a pas trouvé beaucoup. Voilà, puisqu'à partir de 74, comme je vous l'avais expliqué, toutes les modifications, que ce soit une MGB GT avec un 4 cylindres ou avec un V8, les modifications étaient faites automatiquement à partir de 74. Voilà. Alors là, donc, premier problème, la pompe à huile, je vous explique. Alors ça, c'est le carter de la pompe à huile du Range Rover, qu'à la limite, j'ai presque envie de dire, j'aurais mieux fait de conserver celui-ci. Pourquoi ? Ben d'abord parce que la pompe à huile sur ce modèle-là est plus profonde. Voilà. Ensuite, donc la pompe à huile, elle est semée ici. Ce sont deux petits engrenages et la surface ici se doit d'être parfaite. C'est-à-dire que pour que l'huile soit entraînée, il faut qu'il y ait le moins de rayures possible. Bon, là, on en voit quelques-unes sur le fond, mais ça, c'est pas dramatique. Or, si vous vous souvenez bien, j'ai récupéré le carter de la P6 qui était dans le ravin. Et quand j'ai sorti les engrenages de la pompe qui étaient complètement rouillés, j'ai dû chauffer. Eh ben, en fait, l'oxydation s'est reportée sur cette surface ici. Et ma surface, ben, elle était piquetée. Il y avait quelques petits creux. Et ça, ben, je pense que ça a contribué à faire que, même en mettant des pignons neufs, l'huile passait entre, et c'est ce qui a fait que la pression était moindre. Donc ça a été le premier problème, alors qui est tout à fait réglable, c'est-à-dire que là je vais me mettre en quête d'un carter de distribution en bon état, puisque bon, neuf apparemment, enfin j'ai pas trouvé pour l'instant. Après, je pourrais aussi me mettre en quête d'un carter de range dernière génération pour justement profiter du fait que la pompe à huile est plus épaisse. Est plus grande, donc il y a indéniablement une meilleure lubrification. Donc voilà, il va falloir que je cherche cette pièce, je rachèterai une pompe à eau neuve, et puis bah du coup ma modification au niveau du joint spi n'aura plus lieu d'être, puisque d'origine sur ces carters là il y a un joint spi et il n'y a pas une tresse comme sur l'ancienne version. Donc voilà, ça c'est le problème de pression d'huile. Donc logiquement, je devrais m'en sortir. Le deuxième problème, c'est un problème de chauffe. Et je vous montre pourquoi tout de suite. Alors voilà, le problème de chauffe, il vient, selon moi, il vient d'ici. Ça, c'est donc la cloche de Calorsta du Range Rover que j'ai dû retravailler pour pouvoir avoir un passage d'eau ici. Or, après avoir consulté des sites où il y a donc le V8 Rover sur des MGB GT, il se trouve que cette pièce-là ne part pas vers le haut ici, mais elle part devant. Voilà. Et surtout, le problème, c'est que là, sur le Range Rover, le radiateur se trouve plus haut que le point ici. Ce qui fait que si on a de l'air, on arrive à purger sans trop de difficultés. Or là, le radiateur étant plus bas, on voit clairement... Clairement qu'il y a 15 bons centimètres d'écart, donc on n'est pas en capacité de le soulever. Donc même si on soulève le vase d'expansion au-dessus de cette durite, il est très compliqué de la vider complètement. D'ailleurs, bon, on entend un petit peu l'eau qui bouge, mais elle est pleine d'air.
Elle est pleine d'air, donc à un moment donné, soit la pompe à eau cavite, enfin, il y a de l'air dans mon circuit, il y a de l'air qu'on n'arrive pas à évacuer, et c'est ce qui explique la chauffe. Donc là aussi, bah, la solution, elle est toute trouvée. Ça va être soit de me faire usiner une cloche de Calorsta qui aurait la même forme en bas, mais un coude qui arriverait ici, ce qui fait que ça me permettrait de mettre la durite d'origine, qui a effectivement une forme comme ceci, et à ce moment-là, elle serait plus basse que le vase d'expansion, et la purge serait simple à faire. Voilà, donc je pense que les deux problèmes, si je résous déjà ces deux problèmes-là, je pense que on devrait arriver à avoir un véhicule qui sera déjà beaucoup plus fiable. Après, le problème de pas rouler, c'est qu'on a toujours des défauts qui interviennent ultérieurement. Là, par exemple, sur l'accélérateur, voilà, on s'en rend pas bien compte, mais c'est du détail. Mais quand je relâche, j'accélère un coup. Quand je relâche, ça revient pas complètement. Pourquoi ? Parce que là ici, j'ai ma durite qui vient frotter contre le ressort, parce que la pédale d'accélérateur dans le compartiment, comme j'avais ressoudé toute cette partie-là, la graisse qui était dans l'axe, récemment, elle a dû partiellement brûler, donc ça rend là aussi le mouvement de la pédale plus chaotique, je dirais. Là, hier, quand on a amené la voiture à Porto Vecchio, le peu de roulage qu'on a fait avec, j'étais obligé de faire revenir la pédale avec le pied parce que ça restait accéléré, tout simplement. Donc, le but n'était pas de casser le moteur. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont tous des petits détails qui ne peuvent apparaître qu'en roulant. Si je ne fais pas de roulage, c'est pas le jour du rallye qu'il faut le faire, parce que le jour du rallye, malheureusement, ce type de panne peut occasionner de gros désagréments. J'ai eu le cas il y a quelques années sur une Mini, avec un accélérateur qui, au bout d'un moment, était tellement bloqué en hauteur que le moteur était emballé et que je ne pouvais pas faire revenir le régime de ralenti, et j'ai été sur les freins pendant plusieurs kilomètres pour éviter de sortir de la route. Voilà, tout ça parce que mon accélérateur ne revenait plus. Voilà, puis bon, là c'est vraiment flagrant, hein. Hop. Voilà, on voit clairement que ça laisse une belle ouverture de gaz, donc tout ça, il va falloir que je le règle. Voilà. Ah bon, donc vous avez compris désormais pourquoi, même si ça m'en a coûté, je vous cache pas, ça m'en a coûté de prendre cette décision de ne pas être au départ. Après, sincèrement, on a eu le plaisir de rencontrer de nombreux abonnés sur place à Porto Vecchio. J'en ai reçu encore ce matin, j'ai reçu Pierre avec sa femme, donc ils sont deux abonnés suisses qui était de passage sur Corté, donc j'ai eu le plaisir de les recevoir ici. Cet après-midi, j'ai Jérôme, Jérôme, c'est l'abonné qui m'a offert la caisse. Voilà, donc il vient avec sa famille, ils sont venus spécialement pour nous voir. Voilà, donc à défaut de les croiser sur la route à sortie d'une spéciale, voilà. Ils montent directement à Corté. Je vais les recevoir au garage. Voilà, donc grosse satisfaction de ce côté-là, parce que comme je l'explique, ce projet, il est aussi fédérateur de belles rencontres, et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Sur ce, on va se laisser. Je vais me laisser le temps. Là, j'ai besoin de me poser un peu, pour pas dire me reposer, parce que ces derniers jours, ces dernières semaines ont été très compliquées. J'ai un projet, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, j'ai un projet qu'il va falloir impérativement que je fasse avant fin novembre. Donc, je vais m'y atteler dès que possible. Je peux juste vous dire que c'est une Lotus. Voilà. C'est une belle Lotus. Qui va avoir droit à une,
presque une reconstruction. Et bah, bien entendu, je ne manquerai pas l'occasion de partager ça avec vous. Voilà. Sur ce, merci à tous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.